La combine aussi, puisque c'est une map très rapprochée, et comme j'ai une arme qui fait très très mal de façon de combat à combat rapproché, j'aime bien aussi, mais c'est vrai qu'Untar est une bonne map. En plus, on peut aller dans l'eau, comme ça je peux un peu tout vous montrer. Donc faut savoir que la jauge, comme je vous ai dit, ne descend pas quand vous grimpez sur un mur, c'est-à-dire quand vous montez sur un mur et que vous courez sur le mur, vous pouvez courir pendant 4 km. La jauge ne descend pas, elle descend quand vous glissez, donc quand vous slidez sur le sol, ou quand vous faites double saut. Les jump shots, vous pouvez en abuser, mais pas les doubles sauts. Vous allez voir quand dans un duel, comme c'est un peu lent à faire les doubles sauts, c'est pas nerveux comme un W, c'est vraiment pas fait pour les duels. C'est plutôt fait pour monter sur les murs, monter aux étages, ou alors surprendre votre adversaire, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a un adversaire dans une grotte, alors vous double sautez un peu avant pour retomber pile devant lui, comme ça il s'y attend pas trop, vous tombez un peu du ciel. En tout cas sur son écran. Donc voilà, ça peut être utile. Par contre, en plein duel, c'est-à-dire vous commencez à voir le type en face à face, vous essayez de double sauter, vous allez voir que c'est pas très efficace. Par contre, le jump shot, lui, ouais, c'est comme BO2 en fait, hein, c'est le gameplay de BO2, un peu on le Domination. retrouve. Donc jouer à la mitraillette sur une tête, c'est pas très conseillé, vaut mieux jouer à la R. Cybernétique J'aime bien cette activée, mitraillette. lunettes et Alors là, vous capteurs allez voir, je le vois. opérationnels. Bon, des fois ça bug un peu dans la bêta, mais là on le voit. J'ai mis mon camo, j'ai créé un petit camo comme ça, stylé, pour vous montrer un peu ce que ça donnait. Donc voilà. Voilà, c'est un petit camo vite Capturer fait. l'objectif. Donc vous voyez, c'est un peu, je fais un peu ce que je veux avec mon arme. Donc c'est un camo que seul moi j'ai. Moi, je sais pas si c'est français, On on va dire quelque chose sécurise par là. Charlie. Donc voilà. L'ennemi possède J'ai baissé un peu Alpha. le son du jeu, hein, vous n'allez pas super entendre parce C'est que j'ai tout à l'heure sécurisé. j'ai fait une vidéo, mais vous n'entendez que le son du jeu et vous n'entendez pas. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Oh là là, ce que je viens de lui mettre. Non, non! Non! Pourquoi je vais sur la grue? Je viens de le sécher. Oh le semi-turn, ah, c'est pas un turn, c'est un semi-turn, je le fracasse. Hop, dans l'eau, ça fait des raccourcis, vous voyez. Ça peut vous permettre de surprendre les ennemis. Prenez un peu votre respiration de temps en temps quand même, ça peut être utile. Alors, il y a On du va monde sur perdre C. C. Il y a du monde sur C, donc je vais. L'ennemi a pris Bravo. Drone allié en approche. J'ai fait. Sécurisation de A. Vous voyez là comment j'ai fait un double Sécurise saut Charlie. en prévoyant que j'allais retomber La peut-être devant storm est lui, s'y attendait pas, je lancée. l'ai fracassé. C'est très utile. Par C contre, verrouillé. si je crois. Enfin, là faut que je passe Sécurisation très de très vite A. puisque comme j'ai une arme de combat rapprochée sur le pont en Attention, général je drone vais me faire ennemi en sécher. approche. Mon type juste derrière. A verrouillé. Chasserai sa terre. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc alors, On va vous voyez, perdre C. je cours vite parce que Surplus j'ai une énergétique mitraillette, sinon c'est un peu disponible. plus lourd. Je vais utiliser ma super compétence, puisque ma jauge est. On a perdu C. Voilà, je vais sécher. Drone ennemi repéré. Putain, la gueule. On sécurise Bravo. Cramé. Rabat en attente d'ordre. Je viens de faire 4 kills, 5 kills, 6 kills. Envoyeur rapide. J'ai ma troupe entière, je viens d'en sécher un autre. Non, la greu! Non, je les avais saccagés, c'est pas grave, Demande je vais appeler les convoyeur raps. Raps. Alors, les raps, vous allez voir, c'est ce truc. J'ai mon vautour et j'ai mon Hellstorm. Ma série complète. Hop, le Storm, vous allez voir, alors en Drone général il allié fait en 4-5 approche. kills. Raps libéré. Voilà, là j'en ai fait 2 et encore j'ai mal visé. Mais sinon je peux faire jusqu'à 4 kills. Vous voyez, Sierra le fait jump tomber au shot, c'est combat. très très efficace le jump shot. Hellstorm allié en approche. Déploiement des Raps. Voilà, j'ai mes petits Raps. Vous voyez, c'est les petites boules là que vous voyez là qui suivent l'ennemi. Et là il est en train de suivre l'autre, là il est en train de il va aller le sécher. Donc je laisse faire, moi je continue à tout. Je continue tranquillement mon petit gameplay. On va perdre. Alors, on de voilà, mi-truc c'est assez compliqué avec le. Sécurisé. Tenez vos positions. Je suis en train de les massacrer. Alors dans la bêta, vous allez voir que ça quitte pas mal. C'est-à-dire quand vous les fracassez, en général ils quittent, ce qui est dommage. Drone allié en approche. On va perdre C. Ah, j'essaie de jouer les objectifs. Ça c'est bien nécessaire. Tous les lieux sont sécurisés. Restez à vos postes. Hellstorm en attente. On a perdu C. J'ai mon petit Hellstorm. Je vais l'envoyer. Dacom, Hellstorm à mon signal. On va perdre B. Tempête chargée. J'en ai choqué un, c'est dommage. Voilà, là, vous regardez la jauge, elle descend pas, elle remonte même. Et hop. C'est
c'est vraiment, vraiment stylé. Vous voyez, monter sur le mur pour tuer un mec, c'est vraiment stylé. Logiquement, ils vont spawn derrière. Voilà, il a spawn là-bas, le mec. Allez, prends ses dégâts. Tenez vos positions. Convoyeur Raps en attente. On va perdre Alpha. J'avais plus de balles, j'avais plus de balles. On va perdre Alpha. J'ai mon Raps, j'ai mon Raps. Déployez des Raps dans ma zone. On va partir là sur 21 3 en train de s'attaquer. La tempête du désert, puisqu'il y a des mecs là-bas. Attention, on est mis en approche. Déploiement des prophètes, déchargé. Vous voyez, là, le prophète il est vraiment cheat. Je fais un massacre avec. Donc, ça, c'est la super compétence que je vous parlais. On a perdu vraiment un massacre Charlie. Avec. On a perdu Charlie, donc ils sont loin. C'est dommage. Bravo, verrouillé. Alors, ça, faut mieux pas être au corps à corps. Bon, c'est efficace aussi, mais si vous ratez votre coup, vous êtes dedans après. Alors que. On va perdre A. Si vous êtes. Non, le chute, Noël, le chute. Je parle. Je suis pas une nouvelle partie, mais c'est pas débile. J'ai mes raps qui sont en train de faire un massacre. Les gens ils sont en train de se cacher, soit dans l'eau, soit sur le départ. On va perdre, bravo. Là, vous voyez, je fais des kills, je suis en train de fracasser un peu. Dans les règles de l'art. Donc c'est vraiment un très bon jeu, franchement moi je prends beaucoup de plaisir à y jouer. J'espère que vous prenez aussi, enfin que ça vous donne envie, que vous prenez aussi du plaisir à me voir jouer. Le fait de marcher sur les murs c'est vraiment, vraiment stylé. C'est vraiment un très très bon jeu. Franchement c'est un bon millésime ce Call of. Très très bon millésime. J'ai pas eu des duels dans l'eau encore, mais j'en ai eu quelques-uns la dernière fois. J'ai fait une quad dans l'eau, c'était vraiment stylé. Capturer les objectifs. C'est vrai, je prends vraiment, vraiment du plaisir à jouer. AW, j'en prends de temps en temps quand ça bug pas, mais ça bug pas mal. En ligne, il y a beaucoup de décalage. Du coup, c'est vrai que ça me ruine un peu mon plaisir et que je rage pas mal. Là, franchement, j'ai pas ça. Là, pour l'instant, bon après. Est-ce que c'est parce que c'est AW je sais pas, mais en tout cas, je prends vraiment plaisir à y jouer. Je suis vraiment content d'avoir un piste bêta. Drone allié en approche. On va perdre Bravo. On a perdu C. Ruine mort au combat. Sécurisation de C. Ouais, là je suis tombé à terre, j'ai fait un double saut. Jump shot, c'est pas grave. Drone allié en approche. Il arrive. Ça va venir ou pas. Drone de brouillage allié en approche. Police stratégique ennemie dans les airs. Ruine dégommée. Je suis en train de faire un massacre, ça tombe bien pour le gameplay. Hellstorm, c'est toi du monde. Oui, sur tout cela. On va perdre. Oh là là. Oh oui, ça c'est la quad. Ça sent la quad. Décharge de tempête. Oh oui. La quad speed. Je vous l'ai dit, le Hellstorm il est vraiment sympa. Surtout si ils ont tué quelques ennemis. Et du coup. Rapace allié dans votre secteur. L'ennemi détient. Ah, lui il a le truc qui one shot, le flingue. Drone en approche. Putain, il est pas passé dans mon truc, c'est dommage. 35-5, c'est vraiment un bon jeu. J'ai eu chaud parce qu'il a pas de shoot le mec. Parce que, avec le. Normalement, en combat comme ça de loin, c'est vraiment galère. Avec... Un petit flingue. Drone de il m'a entendu. C'était chaud. Hein. Drone ennemi en approche. Ruine dégommée. Drone allié en approche. Un live de bonne qualité. Bravo, verrouillé. Grenade, barrez-vous. Ah, j'ai essayé de l'esquiver, mais c'était chaud. 41-6, je fais littéralement un massacre. C'est pas mon record, mon record c'est plus de 63. Ah dommage, je vais tomber dans l'eau, je crois aussi. Drone de brouillage en approche. Il est arrivé ici. Je vais l'attendre. Zera fait tomber au combat. Ça c'est fait aussi. Il y en a d'autres, non il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Surplus énergétique disponible. C'est vraiment trop torride de sortir de l'eau. C'est vraiment stylé. C'était pas loin.
je vais terminer la partie, on finira là-dessus. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, les super compétences, ce qui est cheaté, pas trop cheaté, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je vous ai parlé un peu des séries, de l'eau, etc. Vous voyez que l'eau c'est vraiment une arme, en plus de l'environnement. On va perdre, bravo. Confirme l'élimination. Ah, j'ai raté mon shoot, c'est dommage. 191, on va essayer de faire encore des frags avec mon petit truc. Ah, mais super compétence. Ouais, mission, toujours fait un. Ah, dommage. Dommage, je finis quand même à 50 bombes. Pas dégueulasse. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce gameplay. On a parlé donc des séries de points, on a parlé des. Je pense que j'ai un peu tout revu. Si vous avez des questions de façon sur le jeu, vous me le dites. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce gameplay parce que je finis à 51 avec cette capture. C'est pas dégueulasse. Donc voilà, ça c'est mon site de jeu. Je rush pas mal, je cours beaucoup, je challenge pas mal. Et du coup, c'est vrai que la petite Vesper là, vous avez vu, elle fait très 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 mal. Donc voilà, je vous dis écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à laisser un pouce vert et surtout de vous abonner si vous avez en tout cas adoré la vidéo. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'y répondrai. Je pense avoir répondu plus ou moins à tout. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, moi je vais continuer sur la bêta.